Bonsoir Sophie, Sophia Chikirou, merci d'être notre invitée ce soir. Bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Je vous remercie de l'invitation. À vous exprimer ce soir. Euh, je rappelle que vous êtes la directrice de la société de conseil Médiascope. Euh, vous avez aussi dirigé la communication du candidat Mélenchon pendant la présidentielle de 2017. Et dans ce cadre, vous avez été auditionnée à deux reprises. On va en parler euh, par la police judiciaire à Nanterre. Euh, vous êtes soupçonné d'avoir surfacturé vos prestations auprès du candidat. On va y revenir euh, bien sûr dans le détail. Vous aurez tout à fait le loisir d'en parler puisque nous sommes ensemble jusqu'à 20 h euh, Mais comme euh, d'abord, je précise qu'en aucun cas vous n'êtes poursuivi à cette heure-ci, qu'il n'y a pas d'information judiciaire, qu'on en est au stade de l'enquête préliminaire. Hein. C'est important euh, et que l'enquête, elle est ouverte pour escroquerie, abus de confiance, travail dissimulé, euh, mais aussi, je voulais euh, vous présenter aux Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne vous connaissent pas, et rappeler que vous avez été d'abord militante socialiste, euh, très engagée dans le combat pour la laïcité. Vous avez rejoint Jean-Luc Mélenchon en 2008, en 2008, que vous l'avez conseillé sur son image, vous l'avez convaincu de parler au grand public. Euh, vous avez effectué des missions en Équateur, aux États-Unis sur la campagne de Bernie Sanders. Et vous avez été très offensif contre les médias tra traditionnels puisque vous avez été à l'origine de la création du média que vous avez quitté récemment après des divergences avec vos cofondateurs. Voilà pour le tableau. On va passer maintenant, si vous voulez, aux questions. Euh, et d'abord, comment se sont passées les deux auditions euh, Vous avez été entendu à deux reprises, dans quel cadre et dans quel climat Écoutez, avant de vous répondre à, ces, à cette question... Je veux dire les choses clairement, comme ça elles sont dites. Premièrement, il n'y a pas eu de surfacturation. Deuxièmement, Mediascope n'a pas surfacturé. Troisièmement, il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Quatrièmement, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est très important, c'est posé. Je le dis, je ne me suis pas exprimé depuis une semaine, donc je vais répéter pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Pas de surfacturation, pas d'enrichissement, pas de détournement de fonds publics. C'est clair, c'est donné. Ensuite, il faut remettre tout ça dans son contexte. On parle d'une campagne présidentielle qui a eu lieu en 2016-2017, d'accord La campagne de Jean-Luc Mélenchon a été la moins chère de toutes les campagnes des cinq candidats arrivés euh, en tête, on va dire, de cette élection. 11 millions d'euros, 6 millions d'euros 16... pour 12 mois de campagne. À titre de comparaison, Emmanuel Macron, c'est quasiment 17 millions pour 12 mois. Benoît Hamon, c'est 15 millions d'euros pour trois mois. C'est très important. Parce que s'il y a surfacturation sur la campagne de Mélenchon, qu'est-ce qu'on pourra dire des autres on, on, on va y venir. On, on va y vous venir. Vous me demandez on comment va... j'ai passé les auditions. Oui, voilà. On va revenir. J'ai bien entendu votre préalable. Il a été très noté. Et vous allez certainement le répéter à plusieurs reprises. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais euh, c'est important de savoir comment sont passées les auditions. Est-ce que vous avez été Enfin, C'est l'information qui nous intéresse d'abord. D'accord. Euh, moi, j'ai euh, subi. Trois perquisitions. Une à mon domicile, chez moi, à 7 h du matin. Une dans mon entreprise, Mediascope. Et mon expert comptable en a subi une. D'accord Trois perquisitions pour la société Mediascope. Plusieurs heures d'audition. Je tiens à le dire ce soir. Euh, les policiers euh, se sont très bien comportés avec moi. Je n'ai pas à me plaindre de leur comportement. Euh, j'ai répondu, et eux non plus d'ailleurs n'ont pas à se plaindre du mien, puisque j'ai répondu à toutes leurs questions. J'ai pris le temps de m'expliquer. Ils m'ont posé des questions, somme toute, parfois étonnantes, parce qu'ils Par ne connaissent pas mon métier. Donc forcément, ils me posent des questions sur la façon de pratiquer le métier de la communication, de la production audiovisuelle, des relations presse. C'est quoi ce métier-là Alors vous, vous êtes dans la production audiovisuelle, vous connaissez un peu. Mais pour des policiers euh, de, du pôle financier, bon, c'est assez surprenant. Mais je me suis expliquée devant eux, je crois que je suis plutôt satisfaite de cette explication, j'ai d'ailleurs tenu à le noter au PV, j'ai tenu à leur dire que j'étais satisfaite d'avoir pu apporter les éclairages nécessaires euh, qui euh, n'auraient certainement jamais dû nous être demandés, parce que je vous rappelle quand même que dans cette affaire-là, il n'y a pas de fait. Il faut quand même bien non, se... Il y, y a une, y a une non, enquête non, non, ouverte pour escroquerie, abus de confiance, travail dissimulé, mmh, aggravé, dans le cadre... Oui, l enquête préliminaire, je l'ai dit tout mmh. à l'heure. Dans le cadre d'une éventuelle violation des prescriptions du code électoral relatif au financement des Sur campagnes. la base de quoi Sur la base de deux dénonciations. Une dénonciation, en l'occurrence, sur les affaires de, de, de campagne. Cette dénonciation... C'est un ancien rapporteur qui a claqué la porte, je crois, au tout début de l'année, c'est-à-dire avant... Jean-Guy Chalvron de la commission des Exactement, comptes de campagne. Exactement, vous avez reçu sur vos plateaux assez souvent. C est, c est, cet ancien rapporteur dénonce des surfacturations sur des factures qu'il n'a jamais vues. C'est le président de la commission nationale des comptes de campagne qui le dit, qu'il n'a jamais vu les factures de Mediascope. Donc il dénonce tout cela et on se retrouve, pas que Mediascope, l'association L'Air du peuple et toute la France insoumise, perquisitionnés et auditionnés. Je tiens à vous dire que nous sommes... 21 personnes à avoir été auditionnées de tout l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Sur ces 21 personnes, certaines n'ont pas vu Jean-Luc Mélenchon depuis 5 ans. Ils sont à la retraite, ils ont pris leur retraite, ils font autre chose de leur vie, etc. Nous avons subi collectivement 17 perquisitions. C'est quand même pas rien. Cette opération, qu est -ce que moi j'appelle une descente de police chez des militants politiques et chez des gens qui sont proches de Jean-Luc Mélenchon, a été d'une violence inouïe pour nous, Alors, dans nos vies. Bien sûr, je comprends très bien et c'est sûr que c'est de l'émotion que vous exprimez. Euh, vous savez bien sûr que d'autres partis politiques ont subi ce que vous appelez Jamais cette opération. Comme Pas comme ça. Et le le Rassemblement ça. National, en l'occurrence, il y a eu des perquisitions de façon -là. concertées non. et une perquisition au domicile de, de Jean-Marie Le Pen. Pas de, bon. de cette façon-là. Euh, bon. Vous permettez, c'est inédit, D'abord, c'est inédit que le parquet décide dans le, euh, au stade de l'enquête préliminaire de telle perquisition, c'est inédit chez des militants politiques, c'est inédit euh, dans l'affaire des assistants parlementaires par exemple, le dossier des assistants parlementaires, euh, la, la députée extrême droite Front National qui a dénoncé 17 collègues, le seul à avoir été perquisitionné c'est Jean-Luc Mélenchon. Les seuls assistants parlementaires à avoir été perquisitionnés sont dans ceux... leur domicile. À leur dans leur, leur domicile. domicile ouais. Alors, revenons, Alors revenons aux accusations et, et à ce qui se passe autour de, de, de Mediascope justement. Et la première question qui revient euh, et qui est évidente vous êtes directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc mmh. Mélenchon et en même temps vous êtes la principale prestataire de cette campagne. Alors, Alors on se pose la question est-ce que euh, vous êtes à la fois donneuse d'ordre et vous exécutez ce que vous décidez et vous faites payer cela. Il faut qu'on précise une chose pour que les Français comprennent bien, bien pourquoi sûr, on parle de cet argent des campagnes. Parce que dans cet argent des campagnes, ensuite les comptes de campagne sont déposés et l'État en rembourse une partie. Donc c'est de l'argent public. C'est pourquoi nous nous essayons de comprendre ce que je passe. parce bien que c'est l'argent oui. et aujourd'hui c'est très important. Moi, et notre argent. moi je suis là justement pour répondre et pour apporter ces explications donc je n'ai aucune difficulté à le faire. Et je vous remercie d'être je par. vous dis très clairement euh, – J'étais euh, médiascope, la société médiascope avait dans ses prestations la direction de la communication, d'accord Par facilité de langage, j'ai été présentée comme Sophia Chikirou, la directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, d'accord Moi, je n'étais pas donneur d'ordre, j'étais prestataire. Les donneurs d'ordre, comme je l'ai dit, sont Manuel Bompard, le directeur de campagne, et le mandataire, en l'occurrence la mandataire financier. Je n'ai jamais signé le moindre document, c'est pas moi qui commandais à Mediascope, je ne pouvais pas le faire. Celui qui définit la stratégie de la communication, qui valide le les pr grands principes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Vous savez, il, a la, il a le contrôle Avec et la conseils. maîtrise. Il a le contrôle et la maîtrise de ce qu'il fait. Les conseils, ça se passe en réunion. C'est on, on, une discussion. Ce n'est pas deux personnes dans un coin qui prennent des décisions. Ça se passe pas comme ça une campagne présidentielle. C'est impossible. On avait des réunions, on discutait, on validait des principes, on décidait, on dispatchait le travail, comme on dit lors de réunions. Sophia, avec Mediascope, est-ce que tu peux faire ça Oui, je peux le faire. Ok, je vais discuter ensuite. Je ne vais pas discuter avec Jean-Luc Mélenchon des tarifs, évidemment. Je discute avec la trésorière, la mandataire financière, de ces questions-là. Donc vous dites ce soir, il n'y a pas mélange des genres parce non. que vous n'étiez pas donneuse d'ordre. Non, je n'étais pas donneuse. Et vous n'étiez que prestataire. J'étais seulement prestataire dans cette affaire. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. C'est-à-dire, vous ne décidez pas des prestations que votre entreprise Mais va exécuter. Pas du tout, ça ne bon. se passe pas comme ça. Voilà, ça, c'est très clair. Mmh. Maintenant, sur les prix, parce qu'effectivement. Euh, euh, Ce sont nos confrères de Radio France, dans la cellule d'investigation euh, de France Info, qui considèrent que vous avez surfacturé un certain nombre de prestations mmh. et que, euh, du coup, pourquoi cette surfacturation est importante Et on essaye de comprendre. Elle n'existe pas, cette surfacturation. Alors, j'insiste, il n'y a pas de surfacturation. Alors. Pourquoi Parce qu'il Il y a beaucoup de fake news et de chiffres faux qui sont balancés à droite à gauche. C'est quand même assez inquiétant. Moi, médiascope Ma société, nous n'avons accès à aucun document. D'accord Aucun PV. Ils ont fuité dans la presse. J'ai terminé une audition le vendredi et à 21h. Vous avez vos factures. J'ai mes factures. Vous avez je, vos factures. Et il n'y en a d'ailleurs à... que deux. Non, il n'y en a pas que il en a deux. deux Écoutez-moi bien. C'est la, la commission quoi. des comptes de campagne qui n'en a découvert non, que elle, deux. Elle, la commission des comptes de campagne a reçu deux factures de 28 pages. Ce sont des résumés. Tout est dedans. Des factures. La commission nationale des comptes de campagne a reçu de ma part l'ensemble des factures des prestataires. Alors, je vais vous dire une chose. — Mediascope, c'est 30 prestataires extérieurs qui sont intervenus pendant 8 mois. 30 prestataires extérieurs. C'est 23 salariés employés pendant 8 mois. Enfin, toujours en même temps, mais c'est 23 personnes Au total. qui ont été employées et rémunérées par Mediascope en plus des 30 prestataires extérieurs. Il n'y avait pas une salariée, comme je l'ai entendu, Sophia Chikirou, qui aurait encaissé les sous. Ça ne s'est pas du tout passé de cette façon-là. Il faut quand même arrêter de répondre n'importe quoi. Dire qu'il n'y avait que deux factures. Il y avait 28 pages de factures extrêmement détaillées, avec toutes les factures des prestataires derrière, pour plus de 450 000 euros de prestations achetées. Alors en fait, c'est simplement parce que parce que En général, euh, j'ai posé des questions. On me dit qu'en général, on verse des factures régulièrement. Ah, ce qui s'est passé et, et que là il y a eu seulement deux factures, non. une euh, en, 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 en une en décembre et une en janvier pour les six mois qui suivent. Bon. Non mais, mais euh, attendez, je, je me, y y oui. Non, j'y réponds puisque vous posez la question. D'accord, j'ai envoyé à l'association de financement de la campagne des factures quasiment tous les mois. D'accord et quand au cœur, au plus chaud de la campagne, c'est-à-dire entre février et avril, je n'avais plus le temps de faire ce travail-là qui est un travail immense, d'accord. Euh, on s'est mis d'accord sur euh, le, le montant et les modalités de versement, et c'est la mandataire financière qui contrôlait tout cela. Donc elle recevait régulièrement les factures. C'est elle qui validait, par exemple, le devis d'un prestataire pour euh, des goodies. C'est elle qui le valide d'accord. Donc, ça s'est passé comme ça. Ces factures, au lieu de remettre à la Commission nationale des comptes de campagne toutes ces factures intermédiaires, nous lui avons remis 28 pages de factures extrêmement détaillées et précises là-dessus. Donc, quand vous dites qu il y a deux factures, je pense, euh, C'est ce que dit la commission des comptes de campagne. Deux factures de 28 pages, extrêmement détaillées. Et nous et avons et remis à la, la commission, commission des comptes dit tickets, une facture dont une de 24 pages. Je, voilà, je, plus une autre de 6 pages. Ça fait 30 pages. Donc Alors, à... ce n'est pas deux de 28, hein est, on est non, 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 non. Une 30 de 6 et au une de 24. Mais nous, on a, euh, on a enquêté cet après-midi et on a posé une question. C'était une, une facture et une de 24 pages. Voilà. Une facture de 6 pages et une facture de 24 pages. Alors, H, je, je, je voudrais qu'on vienne. À, euh, et je, et je vais expliquer pourquoi après, mais il euh, y a deux exemples qui sont donnés par euh, nos, nos confrères de, de France Info et qui. Ah oui, on va en parler des exemples de France Info. tendraient à, à montrer que vous auriez euh, surfacturé. Alors, pourquoi Non, non, c'est pas, pas surfacturé. Mais en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le prix qui a été demandé correspond à une prestation réelle C'est là la vraie question. Ah non, ça, il n'y a aucun soupçon là-dessus. Bon, – Attendez, n'inventez pas, non, pas, non, pas des chefs d'accusation, ça va quoi. Il n'y a aucun soupçon sur la réalité du travail de Mediascope. – Bien sûr. Elle... – Ni emploi fictif, ni soupçon sur la réalité du travail. Le travail a été effectué. Je vais vous dire une chose, le journaliste de Radio France, ça fait dix mois qu'il enquête sur Mediascope, ça fait dix mois qu'il me harcèle. De questions, de mails, de SMS, etc. Dix mois qu'il enquête sur Mediascope. Au bout de dix mois d'enquête. Il, oui. de il, il, de, ouais. il fait son travail. Au bout de dix mois d'enquête, payé par l'argent public, évidemment, parce qu'il travaille à Radio France, lui. Au bout Il fait son travail. Au bout de dix mois d'enquête, il vous sort un reportage. Dans ce reportage, il a trouvé des factures de 28 pages, avec juste pour que les gens sachent ce qu'a fait Mediascope. Mediascope a fait 89 vidéos pour les réseaux sociaux. 89 vidéos pour les réseaux sociaux, 18 clips de campagne officielle, 1300 visuels et images pour les réseaux sociaux, 34 réunions publiques, plus 2 meetings hologrammes, des relations presse, Mediascope a mené des campagnes de dons. A mené des campagnes pour le programme L'Avenir en commun. Médiascope a fabriqué des goodies. Médiascope a fabriqué l'émission sur YouTube Esprit de campagne, dont vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'émission de 5 heures de chiffrage qui présentait le budget de l'Avenir la, en commun. Je m'en souviens. Ça, c'est la totalité de la production de Médiascope. Donc, excusez-moi, sur cette production qui tient dans 28 pages détaillées, extrêmement détaillées, ce fameux journaliste de Radio France, au bout de 8 mois, 10 mois d'enquête, arrive et dit Oui, mais il y a une vidéo, le sous-titrage était facturé 200 euros la minute, c'est de la surfacturation. Alors à ce monsieur, alors je, toute on la précise. profession a répondu sur les réseaux sociaux. Toute la profession, toutes les agences de com. Et j'ai reçu un nombre de messages, je, je n'ose pas donner le nom, mais par exemple, un monsieur comme Denis Pingot, qui est quand même un peu connu que parmi les communicants, m'a envoyé un message en me disant ils alors. ne connaissent rien à notre métier. Donc toute la profession dit 200 euros pour une minute de sous-titrage, c'est la fourchette basse etc. Cetera, etc. Cetera. J'ai des témoignages. Vous pouvez retrouver absolument tout ce que je dis là et les chiffres précis sur mon compte Twitter ce soir, parce qu'au moment où je vous parle, on les diffuse. Donc ça, c'est pour vous donner les explications. Donc, au bout voilà, de dix mois. préciser pour les spectateurs, effectivement, nos confrères de France Info disent que votre tarif est très supérieur. Pas seulement ah, alors celui du faux. marché qui est de 20 euros la minute, 10 styles ou 25 euros. Mais j'entends bien, Mais vous, il avez ne montré, pas le métier. vous avez montré, vous avez répondu, vous avez répondu. C'est malheureux pour lui d'enquêter et autre de ne pas savoir chose. faire de l'investigation. L'autre chose, c'est triste. Ce qu'on appelle l'extraction audio de hein. et la publication, la mise sur ouais, ouais. le compte audio ouais. internet de Jean-Luc Mélenchon, la mise Mais oui, sur opération qui prend un clic disent certains. D'accord, vous visionnez un discours. Vous faites l'extraction du fichier ça audio. Dure du... Minutes, non, ça dure dix minutes, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Mais qui aujourd vous dit ça, madame Des spécialistes. Vous Des spécialistes vous permettez, on est quand même dans l'audiovisuel, comme Moi, vous l'avez dire, Je vais vous dire, vous on avez a rappelé. 39 discours dont on extrait les audios. On crée, on se contente. D'ailleurs, vous séparez les images du son. On sépare les images du son. C'est à dire que c'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide. Voilà. Pour Donc, ceux qui s'y connaissent. Les miens oui. s'y connaissent pas, mais, Diascope, non mais si, bien du... sûr. Bon voilà. Mais... Donc, ce n'est pas extrêmement rapide. D'accord. Faites-le. Faites l'exercice. Faites l'exercice d'organiser euh, un, un réseau social, de le créer. Vous créez le réseau social, vous l'organisez, vous éditorialisez, vous publiez, etc. Ce ne sont pas des manipulations rapides. Ce sont des métiers qui requièrent à la fois des diplômes. Les gens qui travaillent là, ce sont des techniciens, mais ce ne sont pas des gens. Au bout de la main, il y a un cerveau. D'accord On est, on est, on est d'accord là-dessus Non, <laughs> ces gens-là, bien sûr. Chacun. Ces gens-là ont des métiers, ont des diplômes. Quand ils bien font sûr. le travail, ils le font minutieusement. Et quand ils le font, ça requiert souvent, ça va vous demander au bas mot, une demi-journée de travail pour faire ceci, deux heures pour faire cela, euh, trois heures pour faire ça. Et quand vous avez une quantité de 39 discours à faire d'un coup, parce que tout ça ne s'est pas passé au fur et à mesure, nous avons créé, par exemple, le réseau social SoundCloud. J'espère que ça passionne vos téléspectateurs de savoir tout ça et d'entendre tout ça. Le réseau social SoundCloud, donc, est créé on doit être au mois d'avril quand on le crée, on le met en ligne et donc on doit récupérer l'ensemble des discours etc. et faire toutes ces manipulations, ça doit prendre au bas mot 4 5 jours de travail. Voilà ce qui se passe. Mais attendez, écoutez-moi. Non, non j'ai une autre question non, parce que mais je, moi aussi je je dire dire là, des Bien sûr, bien sûr, mais vous avez des réponses, je sais mais j'ai quand même des questions. J'ai beaucoup de réponses. Je sais bien mais, mais j'ai des questions. Beaucoup, beaucoup Alors, de à dire. Euh, ce que dit aussi la commission des comptes de Courval, c'est que par rapport à votre grille tarifaire habituelle, mmh. Vos tarifs, les tarifs que vous avez appliqués à la campagne de Jean-Luc Mélenchon sont supérieurs. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que vous avez une grille tarifaire non. que vous avez Alors, publiée moi, je fais partie obligatoire comme toutes les autres. Non, c'est pas obligatoire du ah tout. Non. Les grilles tarifaires ne sont pas obligatoires du tout. La Commission nationale des comptes de campagne a demandé à un moment donné la grille tarifaire, Ce qu'elle n'avait pas demandé au tout début, parce que les règles avec la Commission nationale de compte des comptes de campagne ont changé tout au long de la campagne. Il faut quand même que les gens sachent ça, c'est-à-dire que on en reparlera certainement euh, dans quelques minutes. Et donc, euh, je fournis une grille tarifaire à la Commission nationale des comptes de campagne qui correspond à quoi Au prix du personnel. Elle correspond pas. Au prix des prestations, entendez-moi bien. C'est-à-dire cette grille tarifaire, elle ne dit pas pour faire une vidéo de une minute 7 ans Elle dit voilà la journée d'un monteur coûte 250 euros. Voilà ce que dit cette grille tarifaire. Elle met des prix sur des personnels, une liste de personnels. Permettez-moi, j'ai beaucoup sous-traité. Médiascope oui. n'a pas tout fait, d'accord. Sur 900 000 euros hors taxes de, de chiffre d'affaires, tout de la moitié a été sous-traité à d'autres sociétés. Moi, je suis une agence de communication. Je correspond à une, à une convention du travail qui est la convention syndex, il me semble. J'ai sous-traité à des boîtes de production, des sociétés de production qui, audiovisuelles, qui, elles, ont une autre convention euh, du travail parce qu'elles embauchent des intermittents du spectacle. Vous le savez, un intermittent du spectacle, c'est 68% de cotisation sociale et patronale sur la rémunération d'un intermittent du spectacle. Donc, les sociétés de production audiovisuelle, quand elles me facturent à moi, un monteur, il n'a pas le même prix que le monteur d'une agence de com. Et j'ai répercuté les prix de mes prestataires. Je l'ai expliqué à la commission. Elle a jugé qu'elle ne voulait pas en tenir compte. Je ne peux rien dire. Je n'ai rien à dire. Et le candidat lui-même ne peut rien dire. Alors, si je situation. veux faire une synthèse, parce que c'est important pour que qu'on suive oui, un peu ce que Mais qu moi dit. aussi, j'aimerais faire une la synthèse. Question, après. Oui, bien sûr. La question est de savoir si le fait que vous. Je l'ai dit, hein, vous avez rencontré euh, Jean-Luc Mélenchon depuis 2008. Vous le connaissez très bien. Vous avez travaillé en confiance avec lui pendant dix ans. Vous avez fait sa campagne. La question, c'est est-ce que le candidat Mélenchon est au courant est là, Je pense que c'est ce que se posent les enquêteurs, puisqu'ils ouvrent, ouvrent une enquête pour savoir s'il y a une euh, violation du code électoral sur le financement. Si le candidat est au courant que ses services sont surfacturés, vous dites... Ils ne sont pas surfacturés, j'ai bien entendu, mais qui favorise votre entreprise. Mais ça ne favorise pas entreprise, bien. Mais arrêtez. Attends, mais non, mais... Je... Non, 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 je vous, vous allez pas répondre. dire ça. C'est a... faux. Non, non, vous inventez, vous inventez des, des choses qui n'existent même pas dans le dossier. Vous employez des termes que les policiers n'utilisent pas dans le dossier. Est-ce Et... que vous vous rendez compte de ça Oui. Je, je, je vous pose. Non, mais ça vous rendez que... compte non, de la C'est quand même prendre... assez grave. Non, non, mais à un moment donné, arrêtez d'inventer des choses. Il n'y a pas eu de favoritisme. De favoritisme en quoi Comment Jean-Luc Mélenchon travaille Comment tous les hommes politiques travaillent Même Emmanuel Macron. Ils travaillent avec des gens qu'ils connaissent avec qui ils ont, et en qui ils ont confiance. Alors, il y a les qualités professionnelles. Vous allez remettre en doute mes qualités professionnelles non. Juste pour que les gens comprennent pas bien. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Vous faites partie des communicantes qui sont très respectées dans le milieu. La campagne présidentielle et la communication a-t-elle été mauvaise Non. Bon. Non, Alors, c'est très important. Donc, ça... le professionnalisme n'est pas remis en question. Le talent n'est pas remis en question ça va, j'ai pas été trop mauvaise. J'ai pas <laughs> eu que des idées. Euh, je crois eu quelques idées assez bonnes, assez géniales, assez remarquées quand même. Aujourd'hui, à l'international, moi, on m'appelle, d'accord Donc. Donc, je pense pas. Ensuite, c'est une société Mediascope qui à recruter des gens pour faire le travail de la campagne présidentielle. J'ai bien compris, mais là, le doute, le doute juste, il est est-ce qu'il y a eu de l'argent qui a été mis de côté par le candidat Mélenchon On a qui fait la vous aurez versé de l'argent supérieur au tarif habituel et que cet argent... Euh, serait revenu à sa campagne Parce qu'il faut qu'on revienne à, à l'essentiel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a euh, eu de l'argent qui vous aurait été versé, mais qui serait revenu à sa campagne parce qu'en en fait, c'était supérieur au tarif et qu'en en fait, il aurait fait une forme mais de petite cagnotte Vous bah, voyez, c'est ça le soupçon de la commission écoutez, des comptes. Enfin, c'est le soupçon de... Écoutez, on va prendre un exemple. Moi, j'ai deux factures ici. J'ai deux factures de deux agences de communication. Celle-là, c'est Jésus et Gabriel. Ils ont travaillé pour le candidat Emmanuel Macron. Celle-là, c'est Small Bank. Ils ont travaillé pour le candidat Benoît Hamon. Donc, c'est deux agences de communication. À peu près, Small Bank, c'est la même taille que Mediascope. Jésus et Gabriel, c'est dix fois plus en taille. Small Bank facture pour, par exemple, là, je vois 286 000 euros pour quelques motion design, quelques clips, etc. Moi, j'ai facturé pour 89 vidéos, 90 000 euros. 89 vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, reportages, motion design, etc., etc. 90 000 euros, c'est-à-dire en moyenne 1 000 euros par vidéo. Pour quelques vidéos, ici, on est à 286 000 euros. Écoutez-moi bien, non seulement il n'y a pas eu de surfacturation, aucun argent public n'a été détourné. Nous n'avons pas constitué de cagnotte, nous ne sommes pas de ce genre-là. Et j'ai un autre chiffre à vous donner. Attendez, le plafond de remboursement, c'est 8 millions d'euros, d'accord mmh. Combien la campagne de Jean-Luc Mélenchon a demandé en remboursement 6,2 millions d'euros. Si nous avions voulu voler de l'argent à l'État, nous serions allés jusqu'à 8 millions d'euros. Nous ne l'avons pas fait, nous ne sommes pas des gens comme ça. Merci beaucoup Sophia Chikirou, vous restez avec nous bien sûr. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. Bonsoir Sophia Chikirou, on se retrouve pour bonsoir. la suite de cette émission. Rebonsoir. Comment expliquez-vous que tous les portraits de vous décrivent une femme sulfureuse, autoritaire, redoutée par ses équipes, qui manage par le stress Écoutez, moi, je remarque une chose depuis ces, cette semaine. Je remarque que je subis des attaques que je qualifierais de misogynes. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous faire un petit exercice je vais vous donner une liste de noms. Arfi, Edvi Plenel, Jean-Michel Apathy, Yves Calvi, Pascal, je vous Proulx, arrête, je vous arrête, Sylvain Tronchet, Jean-Louis Burga. Je vous arrête parce que ce là, sont on, tous on, des on... hommes. Écoutez-moi oui. bien, ce sont tous des hommes. Ce sont des, journalistes. Je pas entendu... ce sont des hommes journalistes, si vous voulez. Je oui. n'ai pas entendu une seule femme journaliste tenir les propos que ces hommes ont tenus à mon encontre. Pas une seule femme ne m'a qualifiée avec les termes que vous répétez à l'instant. Là, en l'occurrence, pardonnez-moi, ne, me pa de ne parle de moi. Je vais vous dire pourquoi les femmes ne parlent pas de cette façon-là. Je vais vous le dire parce que les femmes elles savent ce que c'est. Elles savent ce que c'est quand vous êtes une femme qui a, disons, euh, qui dirige, qui commande des équipes. Quand vous êtes une femme qui mène les choses, elles savent tous les coups bas que vous prenez, tous les coups en dessous de la ceinture que vous prenez. Les femmes elles savent ce que c'est. Donc elles elles m'attaquent pas de cette façon-là. Par contre ces hommes là que je viens de citer eux, ils le font, sans vergogne, sans limite, sans retenue. Sophia Chikirou, là, euh, j'entends je, je, comme femme ce que vous dites, c'est-à-dire que concrètement, vous, le savez, vous, on vous en ne a parlé, voulez vous pas savez. que votre travail soit mis euh, sur le compte d'autre chose que votre compétence. Mais comme toutes et ça, les femmes, c'est ce qui nous arrive. Toujours. Et je suis d'accord. Mais, voilà. mais, mais pardonnez-moi, vous avez cité des noms de confrères journalistes qui font oui, oui, leur travail non, de recherche non, et d'enquête, bon, okay. et je ne pense pas que le critère <laughs> mais femme bien sûr. intervienne. Néanmoins... En Écoutez, tout cas, quand je, je vous cite, attendez, laissez-moi parler. Je vous comprends quand je vous parce cite, je que vous souteniez vos collègues. Quand je vous, vous... cite ouais, les phrases, quand je vous cite ces phrases, je les cite pas de mes confrères journalistes. Je les cite parfois aussi de gens qui ont travaillé avec vous, de gens qui ont travaillé sous vos ordres et qui disent, par exemple, vous, que vous... sur le plan moral ou éthique, euh, vous avez payé des gens à 1500 euros, à 1800 euros, et que par contre, vos, les émoluments globaux, vos salaires à oui, vous, mais... étaient beaucoup plus importants et que vous aviez managé par le stress. Donc... Euh, ça, ce n'est pas une question Alors, on va, on de va femme répondre... ou pas de femme. C'est une question si. ah, de direction, de pas la question que vous m'avez posée pour commencer. Mais on va y aller. Quelqu'un qui est payé 1 500 euros net, donc tous les salariés de France le savent, vous savez que vous avez votre salaire net, vous avez du brut et vous avez le salaire patronal. d'accord. Donc quand vous êtes payé 1 500 euros net, ça représente à peu près 2 600, 2 800 euros pour l'employeur. Il y a un coût employeur qui n'est pas le même que le coût ce que vous allez vous toucher comme salarié. Bah, Première sûr, ça je sais. Ensuite, oui. quand non. un salarié touche 1 500 euros, je n'ai jamais eu un salaire plus de trois fois le salaire euh, le plus bas dans mon entreprise c'est un principe que je me suis toujours appliqué c'est pas nouveau j'avais créé Mediascope il y a en 2011 c'était une scope on avait une échelle de salaire de 1 à 5 moi je me suis toujours appliqué ça c'est-à-dire j'ai toujours appliqué dans mon entreprise ce principe le salaire à Mediascope est encadré le plus bas salaire c'est 1300 1400 euros le plus haut au maximum c'est x5 ce qui n'est pas le cas je suis à x3 d'accord donc jamais au-delà c'est un principe, c'est mon fonctionnement. Personne ne peut dire... Donc pas de ne contradiction peut en avec vos propres principes d'éthique. Parce que jamais. vous êtes quand même une militante de la France insoumise. Et, je m et vous êtes une femme de gauche. Et je m'applique l'encadrement des salaires. Je m'applique une échelle de salaire de 1 à 3. Et elle est respectée pendant toute cette campagne Elle est, elle est respectée pendant toute campagne. Vous pendant êtes autour de 15 000, la 000 euros par mois. Mais vous mais dites n'importe quoi, attendez. vous, le êtes... Arrêtez de répondre des fake news. Non, vous, non, savez... Non. vous savez comment fonctionne une entreprise non, mais attendez. Dites-moi comment... Moi, ce ne sont pas mes critères, ce sont les critères mais de la vous France respectez... Insoumise. Non. Donc, vous voyez, ce ne sont pas les critères de, de la valeur, ce sont les critères de la France Insoumise qui disent... Calmez-vous. ...leur gagne beaucoup d'argent, etc. Calmez-vous. Moi, je suis Revenons. Vous clair. avez repris une fake news répandue par Sylvain Tronchet de Radio France qui prétend que Sophia se paye 15 000 euros par mois. Non, monsieur Tronchet, une entreprise, ce n'est pas parce qu'elle va facturer une prestation à 10 000 euros par mois qu'elle va verser 10 000 euros à la personne. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, tout ce qui passe entre-temps, vous enlevez 20 de TVA, vous enlevez les cotisations, vous enlevez les charges, vous enlevez etc. etc. À la fin, il reste 3 500, 4 000 euros. Alors arrêtez de donc, raconter des fake news, de les répandre et de venir dire, Sophia Chikuru, vous payez 1500, vous en prenez 15 000, c'est faux. Donc L'échelle de salaire de... à Mediascope, c'est de 1 à 3. Misogynie, voilà. vous dites, et vous répondez sur les portraits qui vous euh, décrivent comme quelqu'un euh, d'autoritaire de, 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 et qui manage par le stress. J'ai du caractère. C est, c est... Je ne manage pas par le stress. Vous avez vu tout à l'heure mes collègues venir ici m'embrasser. Ils travaillent avec moi. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, ce sont des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui se plaignent. Je connais des gens qui se plaignent de vous ah et bon? de votre façon de faire. Voilà. Ils Enchanté. ont au moins la classe de ne pas aller vous insulter dans la presse. Moi, si, si, moi sur malheureusement, Twitter, je vous rassure. Il y en a sur les uns. réseaux sociaux, vous, vous avez, des, ne vous vous avez pas. des collègues qui sont les Je vous vous insultés. Je je moi, suis... je, moi, je suis malheureusement parfois, il m'arrive de faire de mauvaises rencontres, <laughs> donc des gens qui n'ont même pas la classe de se dire, bon, nos caractères n'ont pas correspondu, je n'arrive pas à répondre à l'exigence du niveau ou de l'investissement que Sofia exige. Mais j'ai autour de moi 15 personnes qui m'entourent, qui sont des gens qui ont travaillé soit sous ma direction, quand j'étais aux médias, soit sous ma direction à Mediascope, qui sont toujours mes amis intimes, qui m'attendent ce soir à 20h pour aller manger une pizza. Donc je peux vous dire que... Les gens qui se plaignent en général et qui hurlent comme ça, cette culture victimaire hein, de regardez-la, la sorcière Sophia Chikirou, ça va. C'est de la misogynie. Je ne fais pas attention à ces gens-là, j'ai autre chose à faire. Je passe mon chemin, je réaffirme ce soir ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire défendre mon honneur, dire très clairement à tous ces gens qui essayent de m'atteindre par la vie privée, qui essayent de m'atteindre par des injures, qui essayent de m'atteindre par des accusations qui n'existent pas dans le dossier. Je leur dis très clairement, ce sera un mot que je tiens à dire, je ne vais pas baisser les yeux, je ne baisserai pas les yeux et pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. C'est mon caractère, c'est ma façon d'être. On ne me fait pas baisser la tête, je ne suis pas ce genre de femme et je n'ai rien à me reprocher dans cette affaire c'est suffisamment clair. Et je pense que vous m'avez donné l'occasion de le dire aussi clairement et je vous en remercie. Vous ne lâcherez pas donc la campagne européenne qui vient avec Jean-Luc Mélenchon Je suis une militante, une activiste, internationaliste. J'interviens dans des campagnes là où on me demande. Donc vous ne lâcherez pas la campagne. Ma je question. ferai vous la dites... campagne des Européennes. Si on me le demande, je la ferai. Si, euh, et on m'a demandé de m'occuper de la campagne Maintenant le peuple de la coordination au niveau européen. J'étais euh, il y a dix jours donc à Madrid euh, à l'université d'automne de Podemos. Parce que, parce que, que la, maintenant la question elle porte bien sûr sur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que lorsque Jean-Luc Mélenchon réagit avec autant de violence et autant de virulence contre les perquisitions, on va revoir un extrait assez rapide parce qu'on euh, on va l'écouter, euh, je vais vous poser ma question et elle, en, elle enclenche maintenant sur les élections et sur la politique Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. On nom quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local On nom quoi Qui vous a donné cet ordre Je suis un parlementaire. Vous pas La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là et ouvrez-moi cette porte. Elle traque. Elle traque. Elle traque. Allez il va voir qui va avoir le dernier mot ici. Parce qu'il y a un, un, un poulet, Allez vas-y essaye de me pousser pour voir. Vous ne vous vous touchez pas, vous ne touchez pas. Vous vous touche pas. Touche pas. Allez, touche pas, touche pas. Alors vous, la bonne communicante, la bonne conseillère, celle qui a beaucoup de talent, vous pouvez pas, nous, vous pouvez nous dire si là, Jean-Luc Mélenchon n'a pas. Non, mais vous êtes ironique. Non, non, ça? non, mais vous savez que je, je, je vous trouve bonne communicante, mais, mais, mais ça m'a fait sourire de vous entendre parler de votre talent, c'est normal. Euh, mais bah, quand là, on alors, non, non, mais, euh, attendez, on ne va pas y revenir. Mais... Non, non, on va pas y revenir. Je vous demande si vous pensez que cette séquence là. Elle est bonne pour Jean-Luc Mélenchon. Si vous pensez qu'il est crédible comme un candidat à la présidentielle lorsqu'il brutalise un policier et qu'il s'insurge. C'est beaucoup, c'est -ce que... beaucoup oui, oui, grand, oui. des oui. grands mots. Écoutez, ah je vais bon. vous dire, ce matin-là, quand nous avons été perquisitionnés tous, là, les 17 perquisitions, les 15 personnes perquisitionnées, quand nous avons été perquisitionnés, moi j'ai réagi en état de choc. J'étais en état de sidération de voir la police entrer armée avec des gilets par balles chez moi. Euh, Peut-être qu'ils ne témoigneront pas, les policiers, mais moi, j'étais tellement sidérée que je me suis endormie. Pendant la perquisition, je m'endormais sur la table. j'étais euh, Mais euh, c'était incroyable. Je n'arrivais pas à, à réaliser ce qui se passait. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a réagi. Moi, j'ai trouvé, après coup, parce que j'ai su tout ça plus tard dans l'après-midi, vers 15h30, je me suis informée de ce qui s'était passé. J'avais pas de téléphone, on me l'avait retiré, etc. Dans l'après-midi, j'apprends ce qui s'est passé le matin. Et je me dis, mais quel coup de génie. Quel coup de génie d'avoir immédiatement pris la main sur ce qui se passait et communiqué le premier. On se serait pris, mais vraiment, la totale pour parler un peu sincèrement, s'il n'avait pas fait Attendez. ce qu'il a fait. Ensuite, juste ça, que... c'est quand il fait son message Facebook. Quand... Mais quand ensuite il va et qu'il parle ainsi aux au, au policiers qui dit « Je suis la République, ma personne est sacrée ». Oui, c'est une est -ce définition que... des parlementaires. Oui, mais est-ce que est est la... qu'il est est, n'apparaît pas comme supérieur aux citoyens mm. lambda Alors... Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la doctrine de la France insoumise Alors, je vais vous dire très clairement, nous sommes 15 personnes à avoir été choquées ce matin-là. Celui qui nous a représenté et qui a représenté notre colère, c'est Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a pu l'exprimer par sa situation de leader de l'opposition, parce qu'il est député président d'un groupe à l'Assemblée nationale, celui qui a pu exprimer cette colère sans risquer la garde à vue, les menottes, etc., c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous connaissez que s'il n'avait mois... pas été lui. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il aurait eu la garde à vue. Et et les menaces. Il a pu nous représenter dignement, moi je trouve. J'étais contente. C'était ma colère. J'étais en colère. Je suis en rage depuis des jours. Là, je, je, je suis maintenant détendue. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis contente. Je vais enfin pouvoir me défendre. Je vais enfin pouvoir m'exprimer, d'accord, et être dans l'action. Mais euh, pour nous, les personnes qui ont été perquisitionnées dans cette affaire. Euh, je vous ai dit un retraité, une mère de famille, etc. Mais là, je parle du regard qu'ont les Français, c'est votre travail les Français... de communicante. Vous pouvez le juger. d'ailleurs vous, vous, vous avez dire... vu, il y a un sondage, 76% Opinion way, des Français choqués. J'en ai vu plein euh, des dans sondages. 51% non. des électeurs du premier tour. J'ai vu d'autres sondages qui disent que 56% des Français approuvent Jean-Luc Mélenchon. Donc je ne sais pas. Et comme je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps d'étudier bon. les sondages, je le ferai Alors, dans la semaine. Un, 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 je un vous un, répondrai là-dessus. Un petit là sujet quand même. Il nous a représenté. Il a représenté la colère que moi j'ai ressentie. Jean-Luc pendant la campagne présidentielle que vous avez suivi au plus près, il a euh, été très très ironique sur François Fion et Marine Le Pen. Qui euh, n'avait pas répondu aux convocations de la justice lui, ou qu il qui a fait attendez, ou attendez 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 et qui disent euh, euh, lui il a dit et répété je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à la justice euh, il parle de il parle de, de François Fillon celui-ci qui ne veut répondre de rien qui n'a pas l'émeute contre la justice et l'autre Madame Le Pen qui refuse les convocations et montre du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter ils ont bonne mine donc il y a un, un petit changement vous voyez il y a tout. un petit changement Jean Luc Mélenchon s'est rendu aux auditions. Il s'est rendu à son audition. Non mais là, là c'est l'attitude que je <coughs> je Audition vous libre, d'accord. Il y est allé, il a répondu aux questions, nous l'avons tous fait. Donc vous Nous répondez sommes pas. 21, je vous réponds, je non, vous réponds, nous si, sommes 21 que... à avoir répondu aux auditions, nous avons répondu aux convocations, nous sommes allés nous faire auditionner, j'y suis retourné quand il fallait le faire, d'accord, très clairement. Ce qui s'est passé à la France insoumise, c'est quand même, vous avez lu l'article de Marianne aujourd'hui oui. ou pas oui. bah, Lisez-le. Voilà ce qui s'est passé à la France Insoumise, à tous les gens. Lisez l'article de Marianne paru aujourd'hui sur la perquisition à la France Insoumise et voyez qu'il y a de graves problèmes dans la façon dont les policiers et les seront, procureurs... Vous espérez qu'elles seront annulées Moi j'espère rien du annulées. tout, je ne suis pas avocate, il y a des avocats qui travaillent là-dessus, c'est leur job, Autre sujet. pas les mien. Autre sujet, euh, depuis la publication de l'enquête par nos confrères de France Info, euh, euh, Mélenchon. avec beaucoup de fake news et enquête, vous dit, de vous mon point dit. de vue, très mal menée vous par dit. Sylvain Truchet. Vous ne vous avez dit. même pas donné la peine d'aller consulter les agences de communication parisiennes pour connaître les prix qui étaient pratiqués vous et en quoi dit. consiste vous le travail. Dit. Je voudrais qu'on écoute quand même ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ensuite. Je vous demande de relayer nos arguments, de montrer pourquoi France Info ment et de discréditer les journalistes qui s'y trouvent. Relayer, relayer, sans arrêt. Vous rissez-les partout où vous pouvez, parce qu'il faut qu'on obtienne au moins un résultat. Il faut qu'à la fin il y ait aussi des milliers de gens qui disent les journalistes de France Info sont des menteurs, sont des tricheurs, et il y a autour un système qui a même plus le recul professionnel de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter C'est pas un appel à la haine, à la violence hein Non, c'est pas un appel à la haine, à la violence. On a fait face à, à un lynchage médiatique. On a subi ça pendant près d'une semaine maintenant. Ça a été d'une violence inouïe, d'accord, ce qu'on a subi par les médias. Mais ça va. On arrive La parole bout. pendant une heure ce soir voilà. sur BFM. -TV, on est arrivé hein. au bout, d'accord. Maintenant, on redescend, tout le monde se calme. Il y a eu beaucoup de gens de La France mis sur tous nos plateaux pendant des, tout la à semaine. Hein. Aujourd'hui, on se calme. ce n'est pas BFM qui est en cause, sinon je ne serais pas là. Je n'ai pas accepté d'aller à Radio France, d'accord. Je suis à BFM. Radio France, ils n'ont pas fait une enquête correcte. Ils ont répandu des fake news. Ils nous ont mal fait leur travail, je le répète. Pas. Si je suis une... ce, ce soir chez -moi. vous, est-ce Est -ce que, que, que... c'est une justification pour appeler à pourrir les gens, à les traiter d'abruti, de menton oh, Les insoumis et... ont été traités d'abruti mais... par un journaliste. Non, non. Si, si, si. 19,6 mais... de, de l'électorat a été traité d'abruti par un journaliste. Je vous ai pas vu vous offusquer de cette façon-là. Écoutez, route, il faut arrêter L'offusquer. Rostel pardon. Je ne vous ai. Il faut arrêter cette indignation qui a. Une... Une petite connotation comme ça, hypocrite. Ah bon Oui, je vais vous dire non, mais pourquoi. mais là, 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 là c'est hypocrite que de la corporation, contre que la corporation parle à la menace sur la liberté d'expression. Vous avez un collègue à vous Saou saoudien qui a été enlevé, séquestré, torturé et découpé, bien sûr, tué euh, dans une ambassade. Il y a beaucoup hélas de journalistes qui meurent tous les jours. D'accord. Mais attendez, écoutez-moi. Est-ce que j'ai entendu un seul journaliste français demander à Emmanuel Macron la rupture des relations diplomatiques avec cette dictature qu'est l'Arabie Saoudite vous, 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 Pourquoi vous, vous ne, ne le faites pas, pas. Vous Non, ne je réponds. Pas. Pas. Vous, vous avez une indignation Ailleurs. à non, géométrie non, variable. Non, 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 non. Moi, non. je vous l'ai dit, il est non. temps de calmer les choses. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, je crois, hier soir. Il a dit, tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Et lui, le premier Et vous, les premiers moi, j'ai envie de dire que la presse se calme, qu'elle arrête de répandre des fake news, comme l'a fait Sylvain Tronchet en donnant des chiffres fous. Vous faux. donnez des noms et vous continuez. Mais vous je désignez. donne des noms. Le mien est attendez, exposé depuis est une, une semaine dans toute mais, la presse, mais, mais attendez, au point que ça devient un... gênant. Et moi, non, et, et non, quand non, non, on mais donne mais le nom vous... des journalistes, assumez que les journalistes vous désignez, vous Sylvain Tronchet de Radio 20 France, 20. France. Bah oui, mais moi non. Moi, Et... Sophia Chikirou, mon, mon nom partout, ce n'est pas, exp... pas le désigné vous avez, à la Vendée. Ça vous fait avez une répondu. semaine. Je réponds aujourd'hui, ce soir, Je, vous me faites l'amabilité de m'inviter pendant 40 minutes après avoir subi une semaine de bashing, d'accord Une semaine. Donc, je vous remercie, hôtel Kriev de m'avoir invité. Mais n'exagérez ne, pas non plus les 40 minutes qu'on me donne fait, par rapport à la semaine de bashing fait, que j'ai vécue. Enfin, il faut eu remettre les, les choses un peu. Non, il y a eu tout le temps des gens de la France sont mis sur nos plateaux. Donc, je n'accepte pas, pas non plus. On a toujours mais donné la pas parole. En plus, à ce n'est pas BFM, le prochain de... a... je ne serais pas là. Je ne pas là. Si BFM était en cause, je ne serais pas là. On fait notre travail de la même façon que nous, les journalistes. D'accord. Alors, moi, je veux dire que toutes les agences de presse travaillent comme moi. C'est faux. C'est faux, parce que je vous l'ai dit, les agences non, non, de compte qui on ont travaillé pour Benoît. Les règles, les plus bons. Les communicants des... aussi. Oh, non, non, il n'y en a pas ont, tous, voilà. d'ailleurs. Il y a des gens bons et mauvais partout. Mais chez vous les dit. journalistes et chez les communicants et chez les politiques. Vous, les journalistes que je connais bien. Je voudrais qu'on regarde sont pas ensemble, ensemble tous cette des dernière image ensemble. Ne sont pas Regardez. Tous Regardez cette image. Je regarde. Ça démarre. 7 heures de perquisition, c'est mon chef de cabinet. Vous avez tous mes rendez-vous depuis deux ans. Vous avez aspiré tous les fichiers du mouvement La France insoumise et tous ceux du parti de gauche, sans que nous ayons signé un seul procès-verbal. Collègues, êtes-vous devenus déraisonnables Voyez-vous ce que ça veut dire Vous sentez-vous solidaire de procéder pareil Vous en êtes à hurler maintenant, mais vous non. ne vous rendez plus compte. Ce n'est plus de la justice, ce n'est plus de la police. Je... Ma la... question les motifs infamants pour lesquels vous prétendez la nous poursuivre. Est à monsieur le Premier le monsieur ministre. Le nouveau... Comment Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant Marine Le Pen applaudir Je ne l'ai pas vu applaudir, mais que le Front National applaudisse, c'est ça que voulaient dire les députés Front J'étais en train de vous dire avant que l'antenne reprenne, ne jouez pas à l'amalgame la, la, Front National et FI. Ce n'est pas le sujet, Ils vous soutiennent beaucoup. Non, euh, Renaud je le répète sur il, tous les temps. Hamon nous soutient. Poutou nous soutient, Besancenot nous soutient, Pierre Laurent nous euh, soutient, de... Christo, euh, Christian non, non, non. Jacob nous soutient. J'ai une amie députée LR qui sur le a respect qui, de la liberté de la qui, presse. Et sur les et les juges, euh, je suis qui m'a soutenue et je tiens à la remercier ce soir. C'est Virginie Duby-Muller qui m'a soutenue publiquement. Nous sommes soutenus par des gens qui font de la politique, qui sont dans l'opposition. Nous ne sommes pas soutenus évidemment par les gens d'En Marche, mais tous les gens de l'opposition, quel que soit leur bord nous ont soutenus dans cette épreuve, on va dire, parce qu'ils savent quel est le danger d'une telle perquisition. Parce que ces gens-là, ils savent ce que c'est que de se faire aspirer des fichiers, se faire aspirer des fichiers de Donc militants vous assumez, de saint vous dites pas Je, mais vous assumez et vous Et j'assume le soutien de Christian Jacob et j'assume le soutien de Philippe Poutou et de Besançon. Dernière question, dernière question Sophia Chikirou. J'ai parlé de votre proximité avec le candidat Mélenchon. Vous avez parlé de. de vous avez euh, rejeté les accusations d'enrichissement personnel. Je euh, le dis très clairement, vous oui. Vous avez dit que votre vie privée a été attaquée. Euh, oui, par des, gens, de, par des hommes misogynes. Dans est... des termes scandaleux mais est -ce que, est -ce qui que mériterait vous... qu'on leur réponde. Que, vous lui avez répondu euh, longuement, mais est-ce que vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une affaire de relations financières, votre proximité avec Jean-Luc Mélenchon mérite d'être mais... interrogée ou en tout mais cas mais de voir s'il si n'y a pas un lien qui permettrait au candidat Mélenchon de récupérer de l'argent public et, et non. de faire en sorte non. que ce, ce non, lien Madame. personnel non. Euh, euh, non. lui permette de, de non. cela Non, en aucun cas. En aucun cas, ce n'est mêlé de cette façon-là. Les questions à se poser, si on veut se poser les questions honnêtement, c'est est-ce que cette entreprise, Mediascope, a fait le travail Oui, elle a fait le travail. Comment l'a-t-elle facturée À tel prix Pour l'estimer, le, on le compare avec. Par exemple, les autres agences de communication des candidats. Ça n'a pas l'air de vous interpeller, vous, que Mais Benoît si, si. Hamon soit 10, 15 fois plus cher que moi, par exemple, la Small Bank. Ça n'a pas l'air de vous interpeller. Vous ne dites pas, tiens, pour faire la même chose, pourquoi l'une vous coûte tant et l'autre coûte tant Vous dites, ce sont des bénévoles. Vous avez l'impression je... de ne pas, pas être contesté en interne Vous n'avez pas l'impression que tout ça non. a suscité aussi en interne C'est l'inverse qui s'est produit. C'est extraordinaire ce qui s'est produit. D'ailleurs, je tiens à le dire ce soir et je leur passe le message à tous les camarades insoumis, à tous les militants, à tous les dirigeants de la France insoumise. Je vous remercie du fond du cœur pour tout. Vos messages. Je pas le temps d'y répondre un par un, mais. Merci. Je suis très touchée voilà, par leur Merci, soutien. merci, merci. C'est le 20h politique avec Alain Marchal tout de suite. Merci.